Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Vous êtes député modem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Euh, les dates de la présidentielle sont désormais connues, 10 et 24 avril 2022, en pleine vacances scolaires. Ce n'est pas terrible pour la participation Oui, enfin je, je, je crois effectivement que c'est un choix un petit peu curieux. Je pense que le gouvernement avait ses raisons de le proposer. Je ne crois pas que les problèmes techniques soient les véritables enfin, motifs de l'abstention. De j'ai la, dit de l'inflation. De, 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 la, de, je, dis de, de je pense que l'abstention a des, a, a des racines très, très profondes. Je pense que ça ne jouera pas du tout, heureusement dans les mêmes proportions lors des élections présidentielles parce que ce sont des élections avec un fort enjeu, un enjeu très identifié par les Français autour de personnalités, c'est toujours important pour les Français de choisir des personnes et autour d'enjeux de, que ce soit l'Europe, la politique économique, l'émigration, la sécurité, qui sont les enjeux des Français alors que là dans les régionales, tous ces enjeux étaient absents. On, on, il, fallait se, euh, il, il fallait vraiment faire des efforts intellectuels pour corréler le vote qu'on faisait sur le plan régional avec les enjeux que je viens de rappeler. Je crois que c'est ça, l'un des la, problèmes. La, la, la différence. Le, le modem qu'elle vous appartenait euh, prône depuis longtemps euh, la proportionnelle. La proportionnelle au régional, ça n'a pas été euh, un motif d'aller voter non mais d'abord c'est d'abord long je, je, je crois qu'il il ne faut, faut pas attendre de la proportionnelle plus qu'elle ne donne euh, d'abord au régional ce n'est pas une proportionnelle intégrale loin de là c'est justement un modèle très équilibré comme au municipal où on combine un système où toutes les grandes forces sont représentées avec une majorité réelle c'est dans cette direction là qu'il faut aller pour les élections législatives, pour les élections législatives, la proportionnelle est importante parce qu'elle redonne du pouvoir au Parlement. Elle oblige le gouvernement à considérer le Parlement. Or, les Français considèrent aujourd'hui que le Parlement ne sert pas à grand chose, et ils n'ont pas tort. Donc, il faut, lors de la Parlement, du Parlement, une, proportionnelle, une bonne réforme proportionnelle. Ça donnera un Parlement plus puissant et un dialogue. Entre le gouvernement, le président de la République d'une part et le gouvernement, et d'autre part le Parlement, un dialogue beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fécond, et qui intéressera bien davantage nos concitoyens. Avec le risque de devenir gouvernable aussi pas Non, si on, fait, si on fait un système, un système équilibré, no, nos villes sont tout à fait gouvernables, nos régions sont tout à fait gouvernables, euh, c'est une question de, de dosage. Seulement aujourd'hui, quand vous regardez, la, la majorité représente à peu près dans les dernières élections, entre 10 et 15% des exprimés. Comme il y a un tiers des exprimés, ça veut dire 5% du corps électoral. Est-ce que vous trouvez qu'on peut raisonnablement gouverner un pays et faire de grandes réformes avec avec une majorité de 300 députés qui représentent en réalité 5 à 6 des électeurs. Il y, a, il y a un gap, un, un fossé énorme. Entre ce que représente légalement le Parlement, le, la majorité qui est indiscutablement majoritaire à l'Assemblée, et son enracinement dans le pays. Non. Donc il faut absolument élargir. Et quand vous faites la proportionnelle, bah, vous obligez des partis qui sont en situation euh, plus minoritaire, vous les obligez à s'entendre et vous les obligez à avoir une majorité qui correspond à la majorité des Français. C'est ce que vous dites à Emmanuel Macron, la proportionnelle pour les législatives. Écoutez, on, trop lui, tard. On, on lui a dit, moi je. Pourquoi je... Pourquoi, Pourquoi je, il refusé finalement de le, de le je, je faire La sais raison. Il, il, il doit y avoir. Euh, il y a sans doute une bonne raison et une mauvaise raison. La, la bonne raison, c'est qu'il avait sans doute du mal à faire passer cette idée auprès de sa majorité, parce que les parlementaires sont toujours absolument hypnotisés par le régime qui les a fait élire. Ils ont été élus dans un système. Ils ont l'impression que si, si on change ce si système, ils le... vont, euh, bon, ils, ils vont périr. Et puis, deuxièmement, il y a quand même l'idée. Ça, c'est très présent chez Emmanuel Macron. Que moins il y a de pouvoir pour le Parlement, mieux on se porte. Il, il, est, il a quand même affirmé, tout au long de son quinquennat, une prééminence présidentielle euh, plus forte encore que celle qui prévalait avant. Et il n'a pas envie, manifestement, euh, de, 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 de dépendre, de voir son gouvernement, ses idées, ses options, euh, dépendre, de, dépendre davantage de. d'autres de, de, relations. De négociations parlementaires. Ça, ça ne lui plaît pas et je crois qu'il a tort, je crois depuis le début, que sur ce plan-là, grand, la grande faiblesse du gouvernement, qui je crois a des options globalement assez satisfaisantes, pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais que sa grande faiblesse, c'est de ne pas avoir admis que le système institutionnel devait respirer. Le système mis en place par le général de Gaulle a apporté au pays l'efficacité et un enracinement démocratique dans le suffrage universel, mais il est beaucoup trop concentré, beaucoup trop tourné vers l'appareil d'État. Il faut le faire faut respirer mettre de et de du pouvoir dans au tout Parlement. — Revenons-en au régional. Euh, vous êtes élu euh, d'Île-de-France. Euh, Laurent Saint-Martin, qui fait 11% à euh, 11, 8% de, pour euh, La République en marche... Aurait-il dû se retirer en faveur de Valérie Pécresse Écoutez, euh, Laurent Saint-Martin a fait une campagne qui était très très difficile. Euh, moi, je n'étais pas favorable du tout à cette stratégie. J'estimais que, on, et pour le modèle, j'estimais qu'on aurait dû euh, considérer que ces élections étaient des élections régionales et locales. C'est ce qu'ont fait nos. Nos amis en, dans les Hauts-de-France, euh, à l'invitation du sénateur Van Norenberg, et ils ont actuellement un, un bon groupe, parlementaire, un bon groupe euh, régional aux côtés de Bertrand. C'est ce qu'ont fait les élus du Modem qui étaient avec Mme Pécresse, ils sont restés là. Euh, Laurent Saint-Martin a accepté une tâche impossible, il l'a fait avec beaucoup de talent. Dans le débat, tout le monde a reconnu qu'il était excellent. Maintenant, si vous me demandez euh, quel est mon choix. Euh, pour, pour la région Pour dimanche prochain. Je pense que c'est un choix entre Mme Pécresse et, et M. Bayou et qu'il est absolument essentiel aux valeurs que nous défendons que M. Bayou ne soit pas euh, soit battu et que ce soit une majorité derrière Mme Pécresse. Alors là-dessus, euh, je pense qu'en se maintenant, on prend le risque en tout cas de voir sa propre base s'affaiblir, parce que euh, sur sa gauche, un certain nombre de gens vont vouloir soutenir M. Bayou, et sur sa droite, euh, un certain nombre de gens, ou au centre, vont vouloir soutenir Mme Pécresse. Alors la raison pour laquelle il se maintient, c'est sans doute que, précisément, il dit « si je m'en vais, j'aurai des électeurs Ça à moi existe. des deux côtés, donc je ne, je ne favorise pas ». L'un ou l'autre. Mais euh, je crois qu'il y a quand même péril en la demeure. Et si on avait une région parisienne qui était au niveau de la région, dirigée par M. Bayou, et, euh, et une le majorité vrai... avec Mme Autain, avec euh, Mme euh, enfin, des Pouva. gens très bien, d'ailleurs, sur le plan mmh. personnel, et avec Mme Pulvar, qui a quand même affiché des options assez extravagantes pendant la campagne, et en plus, Mme Hidalgo à la mairie de Paris... Non, moi, je ne vais pas dans le pôle Nord, mais pas loin. Ces résultats de la République en marche et de la majorité en général très mauvais euh, rendent fébrile. On a vu des chicayas entre Éric dupont moretti et Gérald Darmanin avant le Conseil des ministres. Oui, écoutez, ces chicayas, c'est vraiment pas très important. Il y a euh, une démarche tout à fait normale de Gérald Darmanin qui félicite euh, Bertrand, qu'il connaît depuis toujours et qui a fait un score magnifique. Il n'y a absolument aucune raison de. de Donc de Eric pas le fait, dupont de a de tort de s'énerver Il a tort, il s'est énervé, ça l'a ça agacé, il, il a le sang chaud. Euh, franchement, euh, ces chicayas ont été très très euh, traités par la presse, ce qu'on comprend, parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu, ça a lieu à l'Élysée. Mais ce n'est pas, pas du tout important. Ce faut voir à l'avenir, c'est comment la majorité euh, va se réorganiser. Et effectivement, il y a sans doute une indication différente du pommeuretite d'un homme qui vient plutôt de la gauche. Gérald Darmanin vient évidemment de, 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 euh, de la République en marche. Euh, des de, les de, républicains de, hum. Des républicains. Et, et donc, on, on verra comment tout ça s'arrange. Euh, Quand vous Mais, dites la, la majorité, il faut réorganiser, il faut un remaniement Écoutez, en tout cas, moi, ce, ce, je trouve que vous avez posé une question sur la fébrilité. Et je crois que c'est juste, parce que la majorité s'est fait étrier. Elle s'est fait étrier. Et personnellement, je n'avais pas prévu que ça... On analyse. Je pensais effectivement que LR serait profondément cassé en deux que le, RL, le Rassemblement national ferait un bon score et qu'on on aurait une situation telle qu'on l'analysait qu tous avant euh, la majorité RN et, et, et une gauche. Bon, Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça et pour les gens de la majorité, que ce soit ceux de la République en marche ou ceux du modem, il euh, y a une vraie réflexion dans la perspective des, des présidentielles. Quelle sera la majorité de demain Je ne pense pas que nous ferons une majorité à nous tout seuls. On, on a réussi cet exploit en 2017. Je serais surpris, même si, ce que je crois profondément, Emmanuel Macron a toutes ses chances a... d'être élu. Je pense qu'on aura un problème de majorité. Et là, il faut quand Et même. Mais alors, y réfléchir quelle est la stratégie bah, la stratégie, c'est de, de faire preuve de sang-froid, de régler les problèmes, euh, de ne pas faire des réformes intempestives. Non, mais de recomposition de la majorité Le Je crois que ça va euh, naturellement. Il me semble que la majorité de demain, la majorité législative de demain, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron est réélu, ce sera une majorité qui regroupera euh, tous les Macroniens du second tour. Il y aura les Macroniens du premier tour, les gens qui sont actuellement ceux de la République en marche, et du MoDem, et puis il y aura tous ceux qui, entre les deux tours, diront euh, tout nous voulons qui nous sera en face. Nous apportons notre soutien à Macron, mais nous ne serons pas des bénis oui oui. Donc je pense que proportionnel ou pas, de toute manière, la majorité de demain sera plus équilibrée et davantage pluraliste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Jean Castex, il a suffisamment de poids. Écoutez, Jean, Jean Castex, il fait son travail. Il était euh, manifestement, euh, euh, le président Macron ne veut pas d'un Premier ministre, et ce n'est pas le Premier. Ça a été le cas du général de Gaulle avec Couvenirville, ça a été le cas de Pompidou avec Mesmer, ça a été le cas de, 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 de Mitterrand avec euh, -Gauvois. Euh, ce gauvois les, 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 les présidents de la République n'ont pas envie d'avoir à côté d'eux des premiers mmh, ministres qui, qui donnent le sentiment de vouloir les remplacer ou de pouvoir les remplacer. Castex, Jean Castex, c'est un homme qui fait son travail. Très bien, avec un grand sens de l'intérêt général, euh, un grand dévouement, un, et, et, et je pense qu'il n'y a pas de raison de le, de le changer, et peut-être que demain, cela dit, le président Macron fera exactement un raisonnement opposé au mien, et dira qu'il est urgent de changer le Premier ministre. Ça, c'est le chef d'État qui... On décide. verra cela. Un dernier mot, le Conseil d'État a rendu une décision sur la réforme de l'assurance chômage. Vous êtes un ancien de la Cour des comptes, pas du Conseil d'État. Euh, cela étant, euh, le Conseil d'État, il est sorti de son rôle à cette occasion ah, Moi, je suis, c'est difficile de, de critiquer un... Un, un, un corps euh, que, juridictionnel, mais je suis, non seulement à propos du Conseil d'État, mais à propos de l'ensemble euh, des, 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 des prétentions et des ambitions des juridictions actuelles, extrêmement, extrêmement inquiet. Quand je vois qu'on on attaque euh, Philippe sur les choix qu'il a fait en matière de pandémie, le l'ancien Premier ministre, bon, il a fait des choix, il a arbitré entre le, la santé et, et l'économie, il a fait des choix difficiles, je crois qu'il y a une filière politique. Cette filière politique, ça s'appelle les élections. Les, les, les gouvernants prennent leurs responsabilités. Et ça doit être le seul juge et des dans, décisions dans politiques. Dans quelques mois, on, on aurait, si cette réforme est déjà avouée par les Français, dans quelques mois, ils ont la possibilité de voter contre ou pour M. Macron, contre ou pour la majorité. Je trouve que là, quand on regarde le, ce qu'a fait le Conseil C'est une, bah, une décision politique C'est une décision c'est une décision. ce n'est pas une décision partisane. Hein, je n'accuse pas du tout le, le conseil d'état d'avoir fait preuve de partialité. mais c'est une décision d'opportunité. ils le disent eux-mêmes. ils disent c'est la réforme, conjoncture. Ben, elle, 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 on hum. peut discuter. est-ce bien le moment? Ben, le. est-ce bien le moment? la réponse, ou est-ce bien le moment? c'est... Typiquement une réponse politique et pas une réponse de juge. Les juges ont à, ont à dire si Le la droit. réforme est conforme au droit, conforme au principe de la Constitution, conforme à la loi, ils n'ont pas effectivement à dire... C'est peut-être pas, peut pas maintenant qu'il faudrait le faire. Ça, c'est le boulot des hommes politiques. Et si les hommes politiques se trompent, les Français les balayent. C'est comme ça. Il y a une filière de responsabilité politique. Elle est écrasée aujourd'hui par une contre-filière de caractère juridictionnel qui Donc, est assez usurpatoire. Danger, vous dites. Merci oui. beaucoup, Jean-Louis Bourlange.